Oups là, et on va recommencer. Donc, hier on avait été. On avait commencé le chapitre 2. Donc là on va continuer. J'aime beaucoup ce jeu, en vrai. Enfin, en ce qui concerne là maintenant, en ce moment même, sur le jeu, j'aime beaucoup le concept. Donc, let's go continuer. Allez, et je saute dessus comme un tocard. C'est pas grave. Eh oui, bah voilà, bah bravo. Ah bah il fuit carrément, non mais wesh. C'est manque de respect. Oh, j'avais pas vu mais j'ai pas beaucoup de PV en fait. Oh eh. C'est pas grave. Bim. Aptitude. Oh. Oh bah indique hein. Indique. Ah je crois que je les avais déjà indiqués. Oh c'est pas grave. Merde. Ah si c'est bon ça marche quand même. Moi je serais chaud pour faire une petite expé. Hein? Comme ça on va se régénérer un peu là. Merde, à chaque fois je me fais avoir! Oh! Sérieusement? Bon, c'est pas mal déjà. Ça va me faire un peu de bien. Voilà. Allez. Aptitude. Ah mais là du coup... La charme. C'est de récupérer des étoiles. On va prendre le marteau. Non, le marteau. Ah, il nous faut le gros marteau, genre. Mais ils nous font mal ces cons hein. Non, celui-là. Allez, non. Des petits spé, on veut des spé. Oui parce que tout à l'heure c'était les vieilles qui étaient là en fait. Et c'est pour ça. Je vais hop, poser ça comme ça. Je puisse avoir le chat quand même. Oh. Ah bah c'est bon, on est foulé toi la bosse. Nickel. Oh. Ah. Indique. Ouf. Si tu sautes dessus, tu vas te faire mordre. Bah oui. Logique. Bon, du coup, vu qu'elle a déjà reçu un coup, ça va aller vite. Bim, hop là. Dégage. Oh! Il est pas mort. Oh, j'ai pas le temps de me protéger. Die. Et voilà, end of the story. J'ai vraiment plus rien quoi. Oh. Ça donne 5 PF. En vrai, j'ai voilà le sirop, vas-y, tu peux le garder. J'en veux plus. Puis il y en a un autre là-bas. Mais c'est bon là, je peux jouer aussi. Ah oui, c'est vrai qu'on a la petite bougnette avec nous là. Vous l'avez vu, ce grand arbre?
C'est le grand arbre où réside la tribu Pouni, comme je vous l'avais dit. Mais il y a aussi la tribu Pic-Pic et les Arak qui y habitent. Allez Mario, suis-moi. Oh, regardez la petite crevette là-bas. Trop mignon. Oh, attends, j'ai vu un truc par terre. Je vais le récupérer d'abord. J'ai tout vu. I want it. Non, pas de problème. Trop de sirop. Donc, tu peux garder. Ouais, tiens, utilise-le. Voilà, nickel. Allez. Ça me fera une belle jambe. Ok, d'accord, fallait juste que je monte. Oh wow. Grand arbre. Si joli. C'est vraiment joli pour le coup. J'aime beaucoup la vibe. On peut tomber ou pas? Non, c'est bon, on peut tomber. J'aime bien m'assurer de l'environnement du jeu, ça me rassure. On va voir si on peut pas récupérer un truc ici par hasard. C'est Amélie là, t'es chiante. Enfin Maeva on avait dit. Vous avez vu? Quelqu'un a miné une porte pendant mon absence. Et fermé à clé en plus. Et moi qui pensais pouvoir sauver toute la tribu. Ça n'a pas l'air de pouvoir s'ouvrir de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais, par ici Mario. Ah bah meuf, ah là. Regardez comme elle est trop choupie. Parlez. Quand j'étais petit, grand-mère m'a parlé d'un passage secret. Ah, seulement trouver l'entrée risque d'être assez difficile. Tu parles de trouver l'entrée, mais comment? L'entrée est camouflée, il faudrait enlever ce qui la cache pour passer. Mais comment enlever ce que l'on ne peut pas voir? Mais là oui, je la vois le truc. Je sais, Dame Camélia. Je suis sûr qu'avec l'aide de Dame Camélia, nous pourrons y arriver. On va l'appeler Camélia. Camélia est une dame très douce et voluptueuse qui habite dans ces bois. C'est un esprit des nuages qui peut commander au vent. Alors elle peut sûrement faire voler d'une bourrasque ce qui cache l'entrée. Sa maison se trouve au fond des bois. Il faut revenir sur nos pas. Ah, ces bois sont si jolis. Quelle magnifique idée que d'avoir emménagé ici. Oh, waouh. Cet endroit est tellement différent de mon monde, de strass et de bruit. Si calme et paisible. L'air de la nature me revigore, et le cœur et le corps. Et puis, la beauté de Dame Camélia retrouvera bientôt tout son éclat. Sans négliger ses charmes en Pouni, ils sont si trognons quand ils font Pouni-Pouni. Mais quand je reste trop longtemps ici, je sens mon corps frétiller d'impatience. Il me faut de l'action. M'est-il donc impossible de laisser derrière moi les feux de la rampe? Il faut dire, je suis né pour brûler les planches. Mais avant de faire mon comeback sur scène, il me faut parfaire mon esprit et mon corps. Mettons-nous au travail et rendons cette beauté encore plus. Oh. Oh, disparu, il a disparu, mon... Dame Camélia. T'inquiète, on arrive pour toi, choupette. On arrive, Camélia! Attends-moi! Bim! En allant vers l'est, on trouvera la maison de Dame Camélia en un rien de temps. Oh, coucou toi! Bonjour, je suis un marchand ambulant. J'ai quantité de nouveaux articles en tout genre. Tu ne veux plus rien acheter? Dommage, j'ai pourtant des choses extraordinaires. Et puis tu devrais prendre tes précautions. Ah, ça va. Je fais ce que je peux déjà. Des monstres. Je t'ai vu, toi. Tu vas pas me la faire à moi deux minutes, là. Die. Oh, il y a un nuage derrière. Incroyable. Marteau, quand même. Joli. C'est un zzz. Ok.
J'ai pas le temps de me cacher. Oh, Mario, il a vraiment plus rien là. Il nous faut vraiment un bloc pour nous restaurer parce que là c'est chiant. Il me reste plus grand chose. Quoique ça me donne des cœurs, c'est pas mal. Tu me la feras pas à moi, mon petit. Oh, vas-y, la triche. Je suppose que ça va faire pareil. Voilà, super. Ok. Pas de moyen de monter en haut là. Bon, déjà on sait qu'on peut tomber là. Peut-être. Non bah on sait jamais hein, je me suis dit on essaie, mais bon. Putain il y avait un tuyau là. Ah mais non mais. Ah oh wow. Oh il y a une étoile. J'ai tout vu. J'ai failli presque pas le voir, mais je me suis dit je vais aller là quand même, dans le doute. Je vais chercher la petite étoile. Point, point, point. Mais moi c'est pas là que je veux aller. Ah mais attends. Il y a lui aussi. Non. Voilà, nickel. Attends, je veux ma pote. Ok, mais par contre, je sais pas où je dois aller, hein, donc on verra bien. Nickel. Le talent. Oh! Marteau séisme, nickel, il me le faut. I want it, I got it. Oh shit, attends. Ah, c'est mieux. Quand on aura plus de points badge, on se permettra. Yay! On va pas faire le ouf quand même. Que je sens que ça va piquer. Si je peux me permettre le jeu de mots vu que c'était pique-pique. Mais wesh. Et franchement ils abusent de fou malade. Frère! Horrible! Oh. Cœur de feu. J'espère que ça va leur faire mal parce que ça coûte cher ça.
Ah, ils sont fireproof. Qu'est-ce qui pourrait les... Bah rien. Ah bah. Ok, si j'avais su ça avant. Mais il nous faut vraiment un truc pour se recharger, ça va être chaud là. Oh yes. Parce que là, ça devenait vraiment chaud. On va voir ce que ça fait si on tombe. Ok, ça me fait, ça m'enlève juste un PV. Ok. Oh merde, j'ai pas sauté. Comment perdre des PV inutilement? Tu m'appelles. Oui, excusez-nous. Elle est peut-être sortie. Elle fait peut-être une balade dans les bois. Oui. C'est une belle excuse, ça. Regardez comment c'est trop choupi. Bio. Non, y a rien. Je tape à côté. Rien. On va regarder dans les tiroirs. Oh. Madame Camilia, vous n'êtes pas là? Dites-le nous. Sinon on casse tout. T'as intérêt à nous dire, ma belle. Non, n'entrez pas. Madame Camilia, vous êtes là? Pardon? Ce pouni, c'est Pugno, n'est-ce pas? Cela faisait longtemps, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Eh bien, en fait, nous avons un problème et nous voudrions votre aide. L'entrée du grand arbre est bloquée et nous ne pouvons plus y entrer. Et à cause de ça, mon ami Mario ne peut pas aller chercher la gemme étoile. Nous aimerions que vous veniez avec nous pour trouver l'entrée secrète. Oh, c'est vrai? Et vous êtes venu spécialement jusqu'ici pour demander mon aide. En parlant d'aide, j'aurais justement un petit service à te demander, mon petit Pugno. Seulement, je ne peux pas sortir dans un état pareil. Pourquoi? Je ne peux sortir de chez moi sans mettre mon collier favori, mais j'ai dû le perdre lorsque je me suis promené un peu plus tôt. Je mourrais de honte si je me présentais devant des gens sans mon collier fétiche. Sans ce collier, ma beauté se fane et ma splendeur s'étiole. Un collier? Si j'étais une dame, je pense que je désespérerais aussi. Un collier... Hein? J'ai l'impression d'avoir entendu ça quelque part. Vous avez vu mon précieux collier? Si oui, je vous en prie, rapportez-le-moi, c'est très important. Si vous y arrivez, je me joindrai à vous et j'apporterai mon aide au mignon petit Pugno. Ne vous inquiétez pas, Dame Camilia. Mario vous retrouvera votre collier en un clin d'œil. N'est-ce pas, Mario? Oui. Alors, mettons-nous tout de suite à la recherche du collier. Je sais que c'est imposé, mais bon courage. Trop choupi. T'inquiète, on va te le retrouver, ton collier, copine. Ah. C'est injuste, Marjolaine. Le portrait que tu m'as accusé d'avoir perdu, en fait, c'est toi qui l'avais. Silence, n'essaye pas d'embrouiller les choses. Allez, jetons un coup d'œil à ce portrait. Hi, c'est le moustachu de tout à l'heure. Et voilà, et encore une fois, Viviane, tout est de ta faute. Quand on aura fini, je te promets une punition pas piquée des hannetons. Mais Marjolaine, c'est toi qui... Vas-tu te taire? On ne parle pas comme ça à sa grande sœur. Mais... Le collier que tu as trouvé, je pensais te le rendre, mais vraiment, non, pas question. Vous... Tant pis, réfléchissons à un moyen de trouver Mario. Oh t'inquiète, on vient à vous les copines, on va vous détruire. One by one. No mercy in here. Attends, on va rentrer. Step by step, one of a million. Oh! Bah écoute, moi je dis pas non. Hein. Y a un truc là, non? Ah, ça, c'est comme mon imagination. Oh, ça. Vous avez vu le petit bruit qui fait pouling pouling? Oh! Trop de merde, j'adore le concept. Let's go! Cherche à ces folles alliés là! Ils étaient en train de sauter. Yo, yo, yo.
Vas-y, il va falloir retenter le dire. Toi là, commence à chauffer. En plus, vous êtes trois là. C'est pas ouf ça. On va prendre ça. Oh shit, je peux pas. Vas-y, en vrai. Est-ce que lui est casse-couille ? Et toi, c'est pareil. Ouah, j'ai deux étoiles ! Ah, il s'électrifie le coup. C'est pas grave, j'ai la solution. Et bim ! Voilà, mais die. Yay! Youpi! On veut des pierres. Ah, franchement, ils sont tous cachés là, ça y est. En plus, Marteau fait genre 0 dégâts. But it's okay, because I have this one. Allez. Ça bouge ça. 9, dis donc, que se passe-t-il? Par contre, niveau PF, ça va être la merde, là. Enfin, c'est quoi? Ouais, PF, 2 sur 10, ça peut être ouf, ça. Bim, 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 bim. Bim, bim, hop là. Bim, bim. On va aller voir les folles alliées, là. Oh, shit. Je vais taper. Oh, on va faire tomber l'arbre. Oh shit. Oh merde, j'ai pas le... Shit. Oh, j'ai pas grand chose hein. Oh là là. Tant pis que ça. Ça fera l'affaire. Déjà, il y en a un en moins. C'est toujours Mario qui prend, c'est une singerie ça, non? Good charm. Yeah. Give us stars. Je t'entends regarder ces toiles, moi. Bon, un petit coup de marteau et c'est fini, tout pipo. Allez, thank you. Yes, 12 P. Bon, allez, go sauver Camilla. T'inquiète, j'arrive, copine. Forever I'm here. Toi, c'est non. Je vois un sirop là, par contre. Nope. Safeguardé. Elles sont là, les folles. Mais n'est-ce pas Mario que voilà? Se livrer de lui-même, sa belle moustache cache un fiefé crétin, tiens. Vous avez trouvé un collier, comment? Se livrer de lui-même, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Rien de personnel, mais on ne peut pas te laisser rassembler les gemmes étoiles. On s'occupe de vous et on récupère la carte au trésor. Comment êtes-vous au courant pour la carte et les gemmes étoiles? C'est ça, vous devez être celles qui ont enlevé la princesse Peach. Mais qui êtes-vous? Sans être célèbre, tu peux avoir entendu parler de nous. Nous sommes... l'obscur... trio des sœurs. L'obscur trio des sœurs? Quoi, Viviane? Qu'est-ce que tu racontes? L'obscur trio tout court? Sœur, ça fait pas assez mystérieux et pas assez effrayant. Combien de fois je devrais te le dire? Désolé Marjolaine, c'est juste que ça me fait plaisir d'être ta sœur et enfin... Il n'y a pas de enfin, ta punition va être terrible. Oh, le pauvre... Bon, on va d'abord régler le compte de Mario, le travail avant tout. Allez au boulot, Marilyn. Viviane, nous allons vous montrer la puissance de l'obscur trio. Oui, oui. Oh, trop mignonne. Mais je vais te taper quand même, en fait. Parce que t'es méchante, donc tu vas souffrir. Point. Barre. Notre compte scelle ton destin de manière funeste. Marilyn, Viviane, je veux qu'ils goûtent à notre puissance. Oui, Marjolaine.
vous ne pouvez pas fuir ce combat. Et évidemment que nous ne pouvons pas fuir ce combat. Et moi, je suis dans la sauce parce que... J'ai pas de PF. Donc on va aller en chercher. Ah frérot, je veux les fleurs. Ah cette fleur, c'est pas mal. Ok, objet. J'ai quoi? Non, j'ai rien en fait. Faut le petit pignon et puis c'est tout. Hein. Vas-y Mario. Ambiance électrique, l'ennemi qui vous touche prendra un coup de jus. Yay. Allez, chef. Bloqué. En zéro, nickel. Ah bah attends, je fais un antique. Comme ça, on l'ajoute dans le carnet. Putain, mais il touche pas Mario, quoi, comme de par hasard. Oh la connasse. Ce combat n'a aucun sens, je vous jure. Oh. Marilyn. Je reprends le film de rage, je jure. Darkham. Viens si tu, allô, si tu te fais avoir, je ne te pardonnerai pas. Ah non, j'ai joué à Overwatch 2. Ah ouais, je jouais à Overwatch tout à l'heure. Je vois dans l'activité. D'ailleurs, c'est traître, hein, ils mettent en Discord. Ils te disent tout ce que t'as fait durant les deux... Durant le dernier mois. Ouais. Bah après, moi, ça me dérange pas. Hein. Ça me dérange pas. Par contre, qu'est-ce que je voulais faire déjà? Ouais. Ouais, tu vois celle-là. Boum, ah. Ça dégage. Il y a quelqu'un qui nous a rejoint. Pardon, Marjolaine. C'est Skull. Salut. Eh ben, dis donc. Juste quand j'arrive. T'as vu ça? Elle est toute mini, là. T'as ouais, Maïva. Elle s'est fait rétrécir à cause de la folle, là. Le genre de personne avec qui on veut avoir le moindre rapport possible. C'est vraiment Maïva. Genre, ça me fait rire, parce qu'elle fait tout le temps des rapports. Genre... Oh, elle va mourir, elle. Oh, 5. Et j'avais bloqué mon attaque, en plus. Hein. Ah. Ah bah, t'es épuisé, ma belle. Ah putain, elle a que 2 PV aussi, j'avais pas vu. Oh, shit. Bah, tu viens de le dire. Ouais, je suis con. Du bon boulot, les gars. Ok, yeah, bah, ça va être stratégie... Ouais, bah on va prendre... Non, en vrai, faut que j'attende les étoiles, en vrai. Hein. Vas-y, faut pas le perdre, on va faire un saut quand même sur la vieille folle là-bas qui me casse les burnes. Je vais prendre un champi, là. Sapristi, il est plus fort que ce à quoi je m'attendais. Si c'est comme ça, fini la gentillesse. Oh
Vénard. Je suis pas sûr là, du Vénard. Hein. On va essayer de se récupérer des PV. Hein. Merde. Oh, bien joué. T'as évité le champi pourri. T'as vu ça? Comme quoi, il commence enfin à comprendre comment ça fonctionne, les badges. Hein. Oui. Mais c'est pas les badges. C'est pas un badge, ça, ça pourrait être toi. Ah, bon, c'est moi, j'ai rien dit là-dessus. Putain, puis j'ai rien pour attaquer. On va prendre ça. Carapadour. C'était quoi cet accent chinois? Défense augmente. Yay. Regarde ma carapa comme elle est douce. Ah bah zéro carrément. Ça me va. Hein. Ah moi pas assiste. Moi Eminem. Moi aimé. Soupe japonaise. Non bah du coup vu que j'étais machin, j'ai fait. Nous pas tuer ton frère. Nous juste venir. Toi mouille. Ouais. Marteau séisme. On va se faire être un coup. Comprends rien à ce que vous dites. Allez. Ou juste assommer. On va éliminer la chef de gang. T'as regardé la tour Montparnasse infernale? T'as dit quoi? T'as regardé le film la tour Montparnasse infernale? Non. Moi je regarde que des séries. Ah tiens c'est bien ça. Bon, bah, c'est fini, hein. C'est regardez Better Call Saul. Regardez quoi? Better Call Saul. Non. Regardez la petite maison dans la prairie. Oui. Ah. Quand même. Niveau plus! Je me rappelle plus ce qu'on avait amélioré la dernière fois. C'était pas les badges qu'on avait amélioré. Ouais, t'avais amélioré les badges. Les cœurs parce que c'est l'enfer. Ouais, mais c'est que pour Mario, les cœurs. Bon, c'est pas grave. C'est con ça que tu puisses pas améliorer. Et après, hein. Je vais faire les fleurs et après, on repassera sur les badges. Du bon boulot, ah, les gars. Je l'ai sous-estimé, yeah. Marilyn, Viviane, c'est de votre faute si nous avons perdu. Les punitions veulent pleuvoir, vous n'y échapperez pas. Mais le collier. Oignon. Laisse tomber. Ah, bah en fait, t'as juste fait le combat. Ouais. Pour récupérer la dame de... Ah ça c'est différent dans la... J'ai rien raté. C'est le collier de dame Camilla. Vite rapportons-le lui. Je l'ai renommé Camilla au cas où vous savez pas ce qui s'est passé. Camilla Jordana. Non, Camilla tout court. Le collier de dame Q. Sinon c'est dame Camilla. Non. Oh, il y a encore Donald Trump qui fait un live. Et tu le fais exprès, hein. À vous c'est... C'est ton double compte là. Mais n'importe quoi. N'importe quoi, hein, never. Là, ça va bientôt être les élections, non? Hein? Les élections américaines. Bon, je t'avoue, je sais pas du tout, j'en fous un peu. Élections américaines. C'est le 5, c'est mardi. Je suis trop fort maintenant avec l'avion, ça y est, j'ai compris. Tiens, j'avoue, ça va arriver vite. Nope, t'as enfin compris les badges, quoi. C'est toujours bon, pas. C'est toujours pas les badges, mais je t'en veux pas. On va aller voir Dame Camilla. Allez, Camilla, on y va. Qui est paumé là? Elle est devenue moche. C'est plus Link, hein, c'est. Hein? La merde. Tu sais, si tu mets un sac sur sa tête, ça passe aussi. Hein. Sauvegarde demeure de Camilla. On arrive, choupette! La demeure de cul. Vous n'avez donc pas encore trouvé mon précieux collier? Si, regarde. Oh, vous l'avez retrouvé, je suis si heureuse. Je ne peux me présenter à vous dans cet état. Vous voulez bien déposer mon collier devant la porte et patienter un instant? Ok. Ah, parfait, parfait. Quelle joie. Oh.
Ludwig, tu peux montrer ça là, elle est toute nue. Sexy, sexy, sexy. Oui, tu es le charmant Mario qui m'a ramené mon collier, mais c'est qu'il est à croquer. Viens là que je te remercie comme il se doit. Oh, il faut que je te serre très fort dans mes bras. Reçois ceci en gage de ma reconnaissance. What the fuck? Mac. Se mettre dans cet état pour moi, ce qu'il est trognon. Au fait, vous m'avez dit que vous cherchiez des gemmes étoiles, n'est-ce pas? Elles n'auraient pas un lien avec le trésor légendaire de Port Larakai? Partir en quête de jolies pierres précieuses, voilà une aventure excitante. Moi qui cherchais justement un peu d'excitation dans ma vie. Oula! De plus, la moustache de dandy de Mario a ravi mon cœur. J'accepte avec plaisir de me joindre à votre aventure, je t'en prie Mario chéri. Camilla rejoint le groupe, yay! Aptitude de Camilla. Appuyez sur X pour envoyer un vent violent qui fera envoler, s'envoler plein de choses. Maintenez X pour souffler sur la feuille de papier jusqu'à ce qu'elle s'envole. Vent violent, c'est une attaque de Pokémon. Incroyable. En soufflant sur les ennemis, Camilla pourrait les étourdir temporairement. Maintenez X pour les étourdir. Voilà qui conclut cette présentation. Pensez-vous maîtriser les aptitudes de Camilla désormais? Parfaitement. Pas du tout. Mario, quel tombeur. C'est pas bien d'avoir volé le cœur de Dame Camilla. Quoi qu'il en soit, Dame Camilla vient avec nous. Vite au grand arbre. Le souffle de Dame Camilla va faire voler le camouflage de l'entrée secrète. Trop bien, j'ai Camilla avec moi. Mais je veux quand même Maeva avec moi, parce que Maeva c'est ma best friend. Ouais, je croyais que c'était moi. Bon, tant pis. Mais non, mais Maeva c'est pas pareil. C'est ma copine best friend. Ok, d'accord. Tu comprends, Tarko? Non, mais tant pis. Je suis désolé. Jesus, no. Oh Jesus. Puis moi je tombe dedans directement. Nope. Du bon boulot les gars. Yeah. Oh, quoi encore? Les échos de Port Larakai. La dernière nouvelle de Port Larakai. Hier, le casino du centre-ville a été le lieu d'un incident sans gravité. Goomléon, révolté par le prix de Pianti, a activé le système d'alarme lorsqu'il s'est mis à secouer violemment le changeur de pièces. Dont Pianti, provoquant ainsi la fermeture temporaire du casino. Je ne sens pas la douleur parce que je suis une machine, mais ça me rend triste. A déclaré Don Pianti. N'oubliez pas, le casino est un lieu de récréation. La chronique des boutiques, la rubrique qui vous présente les boutiques d'ici et d'ailleurs. Cette fois-ci, je parlerai de la boutique de Sol d'été, à Carafleur. Il se consacre à sa boutique depuis 20 ans maintenant. C'est un célibataire endurci, mais il paraît qu'il serait au mieux avec les demoiselles de l'auberge voisine. Quelques mots de ce fin lascar. On n'a qu'une vie, alors profitons-en, mon magasin est toujours ouvert. La cuisine pour tous, la rubrique des recettes délicieuses est facile à faire. Voici donc champifri, un plat aux champignons. Bon, voilà, finalement le premier... Non, ok, on s'en fout. Oh là là! Et du coup, mon journal, parce que j'ai fait plein de trucs, mais j'ai pas capté. Chapitre 1, chapitre 2. Ah, pas encore. Ah, ça met la musique, ok. Et les galeries d'art, il n'y a pas encore... Les indiques. Ah ouais, les indiques. Ouais, donc les indiques, ça fait bien le tout. Ok. J'aime étoile. Ok, on est paré. Let's go. J'ai v'là les soleils. Il faut 3 soleils pour augmenter le niveau d'un partenaire. Ah, mais j'améliore qui, moi? Comme tu le sens. Je vais pas te juger. En fait, si, je vais te juger, mais... Mais juste, comment je on fait... Je vais demander à ça. C'est... T'as dit quoi? Qui? Comment on fait pour moi améliorer un partenaire? Non, Skull. Je pense que c'est ce qu'il a dit. Il a dit... Parce que Tarkam a dit
Je vais pas me juger, en fait, je vais te juger et je me suis dit, je m'attendais à ça. C'est la petite tête, tu as besoin des lumières du grand maître Castagne ? Non. Classique. Écoute, petite tête, laisse-moi un peu de temps pour apprendre de nouveaux secrets et reviens me voir. J'ai besoin de tes secrets, wesh. T'as cru que t'étais qui ? Bon, bah j'ai 3 soleils maintenant, je vais améliorer les gens. Choisir. À mon avis, ça va pas être pour maintenant qu'on peut améliorer les gens. C'est-à-dire que tu peux pas faire ça comme ça. Hein. Ouais, je pense. C'est chiant, là. L'entrée secrète se trouve plus haut sur l'entame, non? Je te l'ai dévoilé si t'appuies sur X. Ah, c'est elle qui peut enlever les... Oui. Les trucs qui se décollent. Exactement. Youpi, l'entrée secrète, avec ça je peux rentrer. Mais pas nous. Les Pounis sont de graves petits, oui. Tu ne le sais pas, chérie, il y a encore peu, j'étais une star de la scène. Dame Camilla était un nom que nul n'ignorait par le monde. Mais derrière le strass se cache un milieu sombre. Bah, c'est un monde d'adultes, chérie. J'ai fini par me lasser de ce milieu-là et je suis venue ici. Seulement au contact du cœur des purs des Pounis qui vivent ici, moi aussi, je sens revivre ce cœur qui autrefois ne battait que pour devenir actrice. Et j'ai réalisé que j'adore la scène plus que tout au monde. Je voudrais remonter sur scène, baigner à nouveau dans le feu des projecteurs. Et je remercie du fond du cœur les petits Pounis de m'avoir fait réaliser cela. Mario ? J'ai pu ouvrir de l'intérieur par ici, par ici. Allez, il est temps de payer de retour les mignons. Allez, il est temps de payer de retour les mignons Pounis. On y va, Mario, chéri ? Wesh, toi déjà tu vas bouger là. Vas-y, viens, Maëva, on y va. D'ailleurs, en parlant de la scène, j'avais fait un live sur le jeu vidéo officiel de Paris 2024. Pour les Jeux Olympiques. Comment ça, t'avais fait une vidéo ? Bah, un live. Ah, un live ? Et c'était quoi ton live ? Et du coup, enfin, c'est un jeu de merde. Hein. Et tu peux même pas te baigner dans la scène. Genre, les épreuves dans l'eau, c'est soit en piscine, soit sur des terrains. Mais c'était un jeu de Paris 2024 ou c'était un ancien jeu d'Olympique ? Ouais, c'était le jeu officiel Paris 2024. Okay. Alors, c'est normal que t'avais pas entendu parler parce que c'est la grosse merde, mais il existe. Ah. C'est un jeu... Enfin, c'est vraiment le type mobile, quoi. Hein, c'est bizarre, d'habitude, ils sont toujours là, mais... Ohé, grand-mère, ohé, tout le monde, montrez-vous, quoi. Tout le tatouin des JO 2024. Tout le tatouin woke, LGBTQ, A, P, machin. Est-ce que c'était progressiste ? Voilà. Oh, c'était un peu... Ah, si, si. Si t'avais un peu une part progressive, c'est genre tu peux jouer une femme et concourir dans la catégorie homme. En gros, ils te disent oh, est-ce que tu peux faire des concours mixtes, quoi, des épreuves mixtes. C'est quoi ce racisme ? Comment vous êtes entré ici d'abord ? C'est vraiment de la merde, t'as genre 10 épreuves. Ce type, ce serait pas Mario ? Quoi ? On va lui faire sa fête. Mais Cloxerox a dit de le prévenir tout de suite si on trouvait Mario. Non, mais quel crétin ! Si on élimine Mario, on sera des héros. Ah ouais, alors on lui fait sa fête. On lui fait sa fête. Alors du coup, est-ce qu'il y avait des trucs binaires, non binaires Je crois pas, je crois quoi. Genre des femmes qui se prennent pour des hommes ou pas le budget ça pour intégrer plus de trucs, hein. C'est vraiment le truc fauché du monde. Quoi. Ah, Cruxy, Troufion ? What the fuck ? Oui, Troufion, ça veut aussi dire, tu sais, ennemi de base. Mm-hmm. Genre, Les laquais de crucifiste. T'avais l'épreuve de break, par contre, dans le jeu. Et en fait, c'est un espèce de Dead Dance Revolution hyper chiant, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait ? Ouais, pour l'escrime, c'est un espèce de jeu de rythme, parce que tu dois appuyer sur les flèches. Oh, les bâtards ! C'est hyper chiant. On aurait pu avoir Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Paris, mais non, on a eu ça. Bah écoute, produit de base de merde, produit final de merde. Oui.
Mais Jesus. Déjà qu'ils ont prévu avec Aya Nakamura, duel pour la femme olympique, tout au niveau. Quelle horreur. Oh, génial. Je ne te le fais pas dire. Surtout que genre ils ont fait danser la garde républicaine, quoi. Ça, c'est pas. Quand il y avait Nakamura. Genre, bon, je crois en pas qu'il plus. Parquait, mais tu vois, c'était à peu près ça, bon, quoi. Bon sang, on se reverra. Pas qu'il parquait, alors, le la combo, prochaine fois, on ira tout de suite prévenir Crux et Rox. C'est un mini d'entrée à Ultra Rock. Hein. Il n'y a que toi, Mario, pour aplatir ces studios comme ça. Mais je me demande où tout le monde est passé. Peut-être qu'ils ne sont plus ici. Pourquoi est-ce que tu te cachais? Alors sors de là. J'ai ramené un allié super fort. Il est grand. Ce grand moustachu est venu nous aider? Ah, vous aussi vous étiez là? Ah, ils sont tous là! Il est grand, oh là là! Pouni pouni, danger moustachu, j'ai peur, les arbis! Ne vous inquiétez pas, Mario est notre ami. Mario va nous débarrasser de tous les types comme ceux de tout à l'heure. Je vais faire les présentations, ça c'est... Stop! On sait pas si ce type est vraiment notre allié, hein? Si ça se trouve, ce type est peut-être un espion. C'est ridicule, Pounibo, Mario n'a aucun lien avec ces types. Il est venu nous aider en s'y mettant à tous, on peut les mettre dehors. Et puis après on récupérera notre maison, le grand arbre. Ah, arrête de faire ton chef à la ramener, Pugno. Pendant que t'étais parti, je sais pas où, tu sais pas ce qui nous est arrivé ici, hein. À ce propos, où sont tous les autres? Ils se sont fait avoir par ces sales types. Grand-mère aussi, tout le monde. Et puis, ils ont aussi chopé ta petite sœur. Non, Punita, c'est pas vrai. Si, ils les ont tous emmenés. Tout ça, c'est parce qu'ils ont dit... C'est parce qu'ils ont pas dit où se trouvait le truc étoile. On n'en sait rien de leur bidule, nous. Oh non, Punita. Alors, on n'a qu'à tous se rassembler et aller les sauver. N'importe quoi, tu rêves pas un peu, là? Je sais pas ce qu'il est ni d'où il vient, mais je me fiche de Papy Moustachu. Ne dis pas ça, si on n'essaye pas, on n'y arrivera jamais. Et en s'y mettant tous, je suis sûr qu'on peut y surmonter n'importe quoi. Alors, il faut qu'on soit tous soudés. Si tu y crois vraiment, tu veux pas nous montrer à quel point ton Papy Moustachu déménage? Si toi et ton Papy Moustachu arrivez à ramener le reste de la tribu, j'accepterai de vous aider. De toute façon, vous n'avez aucune chance d'y arriver. On va le faire. Hein Mario, tu viens avec moi, on va sauver tout le monde? Je suis sûr que c'est ce gros tac à l'étoile. Il l'a mangé, c'est ça? Je suis sûr. Ça parce qu'il est gros. Il fait des étoiles. Tout de suite. Ça me choquerait même pas. Tout de suite, t'es blague bas étage. Moi, je te dénonce. Je suis sûr si je tape suffisamment fort, il devrait nous sortir l'étoile. Donne-nous cette fucking étoile de mort parce que j'ai pas ton temps. C'est vrai qu'il est gros, on dirait Aloy dans... Mais oui, est-ce que tu veux en parler? Tu te vois bien, tu sais, on peut... Ils on m'ont peut fait trouver du basket. Ah bah là, je vais prendre l'autre folle et je vais souffler fort. T'aimes bien quand elle te souffle dessus, hein, l'autre folle. Oh, Jesus, m'en dis pas plus. Mm-hmm. Bah ça change rien là. Ah mais je suis con, il y a un tuyau là-bas. Toujours les bons tuyaux. Hein. Pouin pouin pouin. Oui. Pouin pouin pouin. Toi t'es toi. Je m'entends dans ta face. Oui, c'est quoi ce truc là-bas? Une tos. Allez, petit indic choupette. Oui. Piou. C'est un cruxivet, un monstre créé par les méga cruxivets, je sais pas quoi. Claqué. Non, c'est un hand spinner. Je pense à la même chose. Bloqué. Oh, pourquoi il y a un Illuminati? Alors non, parce que le hand spinner, ils ont trois... truc et celui-là en a 4. C'est pas un spinner. C'est un hand spinner qui a subi une mutation de Tchernobyl.
Oh mais quelle arnaque. Genre tu l'as tué mais vu qu'il s'était pas dissous, ça continue de faire une barrière. Ouais, je vais savoir. C'est sûr que je te dis c'est la vie d'Aloca. Hein. Ce soir là il va die. Onos, dos. Allez, meurs. SP obtenu 7, on va aller voir avec ça, je vous le dis. Peut-être balayer. Allez hop, ça commence à se régler. Je suis peut-être un peu allé un peu trop fort. Non, on n'est jamais trop fort. Oh, un peu quand même, hein. C'est un peu too much. J'avais jamais fait l'étoile, du coup je voulais la faire. Ah oui, quand même. Oh, écoute. Ah. Ça nous débarrasse. On fera du charme, c'est pas grave. Ouh. Est-ce que tu peux faire du charme avec la grosse dame? Ah, c'est vrai, je l'ai pas essayé la grosse dame en combat. On va l'essayer après. Tu vas l'appeler comment celle-là? Je l'appelais Camilla. Mais grand-mère! Dame cul. Oh, mais on dirait le petit Pugno, tu as l'air en pleine forme, dis donc. À propos, Pugno, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu n'as pas l'air tellement stressé, je suis venu vous sauver. Oh, c'est vrai, c'est gentil ça. Seulement, je veux que tu sauves les autres avant moi. Les autres aussi sont ici? Oh, mais oui, grand frère? C'est mon grand frère qui parle. L'autre, elle parle encore, wesh. Oh la vache! Pugnita, tu es là? Tu es vraiment venu, grand frère? Bien sûr, j'ai ramené un ami super fort. On va tous vous sortir de là en un clin d'œil, sois patiente. D'accord, courage, grand frère. Mario, il faut qu'on trouve les clés de la cage. Ils t'ont capturé aussi, le moustachu, où t'avais juste envie de passer du temps en cage avec moi. Ouh, t'as envie de passer du temps avec grand-mère? Ah, mamie. Oh, mamie, tu savais. Comment un géant comme toi a fait pour entrer là-dedans d'abord? Si tu savais, ma belle. Je me suis mis en 4. T'as compris, j'avoue. En 4, parce que... Si les autres, ils se mettaient tous de profil, ils pourraient sortir. Hein. Bah ouais, mais ils sont débiles un peu. Mais ils peuvent pas. Regarde même, cette gemme étoile. Les pounis qu'on a capturés ont pas l'air de savoir grand chose non plus. Ouais, le pire, c'est que je me suis retrouvé coincé à garder cette stupide clé, je suis crevé. Si je ferme les yeux, même rien qu'un peu, je vais m'endormir en sursaut. Mais la folle, là. Tiens, le hasard. Oh, c'est Ah, tu es la Miss Caspia de l'autre fois. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu des rumeurs à propos d'un ravissant badge ici dans le grand arbre, alors me voilà. Ah, wesh. Ici, j'espère que nous nous rencontrerons à nouveau. C'est un vrai charron, Mario, dans le jeu. Ah non, elle t'a encore embrassé, mais qu'est-ce qu'elle a? Et puis, Maïva, comment elle est jalouse. Vous convoitez sur un fouillis sous ce grand arbre. Avec un peu d'effort, vous devriez la trouver avant ces grands escogriffes. Pour couper court et en guise d'au revoir, mi amor, à la prochaine fois. Mais zut, à la fin, pour qui elle se prend cette souris voleuse? Elle m'énerve. Attends, j'ai chaud, Maïva. Et là, qui êtes-vous? Ah, c'est donc vous qui m'avez assommé. Je vais vous le faire payer, et cher. Eh, Maïva, là. Tu m'as insulté tous les clics qu'elle croise. Vous ne pouvez pas fuir ce combat. Ouais, c'est juste lui. Allez, hop, la multi-robot, on va voir plus. Ah, je suis con, j'ai pris le mauvais petit robot. Qu'est-ce que tu me fais faire, Tarkam?
J'avoue, c'est ma faute. Oui. Oh non, le bâtard. T'as endormi ? Ah non, il utilise la flare. Rip. Ah, ça dégage. La vermine. Oh yeah. Ouais, ouais, ouais. Oh bah la clé, nickel. Allez, thank you, next, thank you. Next, next, thank you. Next, thank you. Next, thank you. Next, next, thank you. Yes, ça va, Louis ? Oui, ça va. Ah, c'est la clé de la vieille. Attends. Grand-mère, nous sommes venus te sauver. Imbécile ! Pugno, assois-toi ici. Mais comment ça, là ? Pourquoi ? On est venu pour te sauver ? C'est quoi ces Pugni-Pugni ? On écoute ses aînés, imbécile. En voilà des façons de laisser sa petite sœur toute seule pour aller s'amuser. Hein, mais puisque je te dis que je suis allé chercher... Et cesse tes Pugni-Pugni ! Si tu n'écoutes pas les gens jusqu'au bout, tu ne sauras jamais ce qu'ils disent. Si tu ne surveilles pas tes manières, tu resteras toujours un petit Pugni. Tu représentes le futur de la tribu, tremble, et le futur tremble avec toi. Pense à l'avenir. Alors, hein, tu m'écoutes ? Une heure plus tard. Bien, je compte sur toi pour redresser la barre. Oui, oui, j'ai compris. Et les deux tabayous et d'or. Ne répète pas ! Au fait, Pugno, qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Puisque je te dis, je suis venu pour sauver tout le monde. D'abord toi, grand-mère, mais bon... Qu'est-ce que tu dis ? Si c'est comme ça, je sors tout de suite d'ici. Il fait bien trop froid et ma hanche me fait mal. Ah ouais, elle est bipolaire, la vieille. Ah, c'est chaud. Ouais. Ah là là, elle est déjà partie, elle n'a pas changé. Ah, j'oubliais. Ne panique pas, Punita, je te sors tout de suite de là. Oui, grand frère, pas de problème. On doit aussi trouver la clé de cache bleue, Mario. Descendons demander à la matriarche et à la désinfo, en espérant qu'elle nous épargnera ses explications à rallonge. Sur la vieille, il s'est fait agresser, tu vas voir. Ah bah non, on n'est pas passé par là. Je suis con. Ah bah si. Non, y'a rien, y'a R. Ah bah. Au moins la taille d'un membre du groupe augmente sa puissance, c'est pas nickel. Comme quoi, taper les buissons, c'est pas du n'importe quoi. Hein. Donc on va y arriver. Oh wow. Mais putain, la vieille est descendue juste tout là-bas en fait. Sauvegarder. Pugno. À vrai dire, je pensais pas que tu y arriverais à sortir grand-mère de là. Tu vois, je te l'avais bien dit. T'emballe pas, j'ai pas dit que j'avalais ton baratin. Et ça veut pas dire que je fais confiance à Papy Moustachu. T'as toujours pas sorti de la cage le reste de la tribu. Pas question que je te donne un coup de main tant que tu ne les as pas sauvés. Imbécile ! J'ai vraiment honte de t'entendre dire une chose pareille. Ces soldats bizarres suffisaient pas ? On doit encore se coltiner les pic-pics qui viennent filer un coup de main ? Il faut que nous nous unissions pour évincer ces indésirables. C'est hors de ta portée ? Quoi ? Les pic-pics ont rejoint le rang des bandits ? Mais alors, c'est peut-être eux qui ont la clé de cache bleue. Bah, ne vous en faites pas de mourons, Pugnibo et Pugno. Toi aussi, avec ce moustachu. Quel est son nom déjà ? C'était pas Mariol ? Mario, c'est Mario. Reprends-toi, grand-mère. Oui, oui, nous allons tous nous mettre avec ce Mario et chasser ces intrus. C'est vieille grand-mère. Merci, grand-mère l'a dit. Alors, y a pas le choix. En fait, moi aussi, je me faisais du souci pour Punita. Allez, pouvez compter sur moi, on s'y met tous. Allez, les Pugni pour de la tribu. 10 autres Pugni ont rejoint les groupes, vous avez 11 Pugni. Merci beaucoup, merci à tous. Au fait, je peux poser une question ? Nous cherchons une pierre appelée gemme étoile, ça ne vous dit rien ? Comment ? Une gemme étoile ? Peut-être... Cachée dans les tréfonds du grand arbre est une gemme de couleur étrange. Des méchants la protégeaient à un cœur pur à la donner.
C'est une histoire transmise de génération en génération. Ce ne serait pas votre gemme étoile ? Mariole la moustache ? Je veux croire que tu es l'être au cœur pur de nos légendes. Rien n'est sûr, mais je pense que trouver la gemme est liée au sort de notre tribu. Bien, la gemme étoile se trouve en dessous du grand arbre. Et... Tu pars à quelle heure ? Faut juste attends un peu. Et il y a une chose importante. Pour obtenir la gemme, il faut arriver jusqu'à la tribu complète. Tiens, j'ai dit toi. Que je... Enfin, ils me disent qu'il faut que je sois là-bas à 9h15. Du coup, je vais essayer de pas être à 9h. Oui. C'est quoi les pénaux, là ? Hein ? L'histoire avec les ratons laveurs. Tiens, prends ça avec toi. Le symbole du dit Bouni. Le Bouni Bulle. Parce que t'étais en train de regarder. Ah, bah je sais pas c'est quoi. Un piédestal que tu rencontreras sur ton chemin. Et tous les Bounis se rassemblent devant lui. Quand tu auras fini de te servir, n'oublie surtout pas de la reprendre. Sinon, les Bounis resteront coincés devant le piédestal. Et puis allez Mario, on va d'abord libérer le reste de la tribu. On laveur, hein, je sais plus, un autre truc. Ouais. Ah oui, et encore une chose. Désolé, ces derniers temps, les trous de mémoire s'aggravent. Enfin, pendant que tu recherches la gemme étoile, si tu perds des Pounis et que tu ne les retrouves pas, reviens me voir. Je devrais quand même fâcher un peu et zou, les Pounis perdus reviendront ici. Tu as bien compris, hein? On peut perdre des Pounis, MDR. Bah, vous perdez pas, bande de toka. Désolé. Bon, non, mais t'inquiète pas, Dark. Vous avez inséré la poignée bleue. Ah ouais. Ah, tu es apparu. C'est donc ça, je comprends maintenant. Allez, ne l'embinons pas. Mario, tu te souviens qu'on ne peut pas partir d'ici si on ne retire pas la poignée bleue du piédestal, hein? Vous avez repris la Pounibu. Ok, donc là c'est bon. Je pensais qu'il fallait laisser là, genre en mode qu'ils doivent rester sur le piédestal. Attends, va essayer la vieille là. Enfin, Camilla. En fait, il faut que j'ai pas le temps de mettre le coup de marteau. Ça dégage. Aptitude, qu'est-ce qu'elle fait ? Envoie une brosse qui fait voler tous les ennemis. Plonge sur un ennemi. Maintenant, le curseur dans la cible. Bam ! Elle a fait un plaquage, là ? Ah ouais, clairement. Elle a plaqué au second vagin. Elle a l'habitude de plaquer les mecs, elle. Elle mange des hommes. Ah mais carrément. Trop de méchanceté. Trop mignon. Là, je reprends Maeva. Moi je suis obligé de les laisser là-bas. Hein. For now. Grand arbre sous-sol 1. Je comprends pas tout hein, mais ouais. Oh un soleil. Est-ce que je lui dis ou pas? Hein? Oh, un nouveau monstre. Indique. Du coup, tu vas regarder tous les monstres du jeu, faire l'indique sur tous les monstres. Bah ouais, du coup, parce que vous m'avez dit que ça, enfin, ça remplit le carnet, donc du coup, je fais ça. Ok, ok. Bon ça va, il veut pas si tant mal en vrai. La clé. Ah putain.
Je savais pas que je pouvais faire autant. Quelle violence. Ah ouais, incroyable. Oh le bâtard. Ouais, vite, putain, j'ai pas assez fleurs, pour là. Faire le marteau, séisme là, le seum. Coupe pas de balayette. Ah mais putain, j'ai pas le temps en fait. Mais ça va, ouais. Non mais je rêve. Carrément. Je laisse en faire un en moi. Oh, bâtard. L'aptitude, coup de tête, on va faire sur l'autre là-bas, là. Ce combat est long pour rien. Ah. Les effets d'SP quand même, c'est pas mal. Plein de pièces. Pion, pion, pion. Ok. Ah, c'est lui qui a la clé boule, petit bâtard. Mario, c'est un pic-pic. Et comme je le suspectais, c'est bien les pic-pic qui ont la clé de la clash bleue. Il y a toujours eu des frictions entre la tribu Pouni et la tribu Pic-Pic. D'après Pounibo, la tribu Pic-Pic s'est alliée aux bandits pour nous déloger. Mais moi j'étais bien ami avec Piclé. Le Piclé que je connaissais, il se planquerait à l'heure qu'il est, il chercherait pas la bagarre. Je me demande si lui aussi est devenu un ennemi. Mais je voulais pas prendre le tuyau. C'est le tuyau qui m'a pris. On peut tomber dans le trou. Oui. Oh shit! Tiens, Pounio n'a pas parlé d'un magasin camouflé dans les environs? Si tu veux faire des emplettes, tu devrais essayer de le trouver. Je sais même pas comment j'ai fait. Je pensais que j'allais juste tomber dans un trou en mode. Oh! En tout cas, on n'a rien perdu. Il est là, on voit là. Souffle, ma belle, souffle! Let's go. Les petits magasins. Oh.
Bien le bonjour, bienvenue dans la boutique de Poulignan. Je peux t'aider? Non. Ah, par contre, on peut se recharger, ça c'est pas mal. Je dis pas non. PM. Bam. Par contre. Oh, c'est quoi ça? Oh, vas-y, j'aime bien les surprises, oui. Ok, et après? Inventaire? Ah, ok, donc en fait c'est. Ok, c'est en combat. Ok, bah ça a l'air cool. Oui. Ok, je suis bien trop chargé. Pardon, je voulais pas te taper, meuf, mais t'étais devant moi aussi. Une petite sauvegarde. Merde. C'est cela, oui. Let's go. On va aller chercher la petite clé. Que je dois lui dire? Lui dire quoi? Est-ce que je dois... Oh, Jesus Christ! Non, laisse-lui la surprise. Regardez, des pic-pic! Une escouade de pic-pic. Allez, on va leur montrer sur... Sus au pic-pic, allons-y. Lol, oh, sus. Les 10 sus. Ils nous ont aplatis, il faut qu'on y retourne avec un plan valable. Quoi? On est peut-être pas assez, je ne sais pas si on pourrait l'emporter. Rassemblons nos troupes avant de retenter notre... Ok, vas-y, je vais chercher les pounis. Pounis, pounis, pounis! Coming fire! Voilà, il a trouvé. Il a trouvé. Wesh! Mais ça va pas, toi, ou quoi? Mais... Ma Bill, t'as sauté dans le vide? C'est un bug ou quoi? Attends... On y retourne! Pec, 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 pec! Oh shit! Ah mais en fait il nous suit pas. Eh mais t'es trop autonome toi, ça va pas ou quoi? Du bon boulot les gars! Yeah, yeah. Mais what the... Mais mon frérot... Toi déjà... Comme c'est cool là. Du bon boulot les gars! Yeah, yeah. Bah multi-robot... super robot. Hop là. Ok, super robot, toujours. Ça coûte cher les super robots. Oh écoute, ça les détruit, moi ça me va. Nickel. Elle est la vermine saligège 9 75. Nickel, je vais bientôt passer au prochain niveau. Ah bah oui, du coup je tombe avec lui. Super. Ouais, t'arrêtes de payfly là, Pouni. Ça va pas bien ou quoi? Faut que j'aille chercher les autres Pouni là, du coup, mais on va voir ce qu'il y a là-bas quand même. Je suis censé faire comment? Vas-y, tu casses les couilles aussi, hein. Et toi aussi là. Oh, mais ils sont combien? Du bon boulot, oh, les gars. Yeah, yeah. Mais bon écoute, tant pis. Hein. On va faire un par un. Je sais pas. Déjà un en moins.
Pour savoir s'ils font que ça, franchement, ils sont pas chiants. Ok, on va bien qu'on fasse la fleur. Nique ta mère. Voilà, c'est clair là. Ça, il se réveille là. Pio, pio. Mais arrêtez de frapper Maeva là. Bon, la multi. Tiens, c'est ça, ouais. Ok. Et bim! On va bientôt passer au niveau suivant pour améliorer les fleurs parce que là c'est chiant. On va laisser régène. Toutes les pièces que j'ai eues, ça va me coûter bien cher au final. Hop là, allez, let's go! Pion, pion, pion! Pion, pion, pion! Bon, et t'arrêtes de flipper maintenant. Tu vois, regarde, il est plus là. T'as vu ça? Et le cube là-bas, je suis comment? Oh, on va tout de suite pour l'instant. Encore? Oh merde, ils sont beaucoup trop là. Nope. Oh, mais t'as juste à faire une fleur de feu et c'est bon, ils sont tous morts. Oui. Ah putain, l'autocar il est encore resté en haut là. Je vais aller le chercher. Fais chier lui aussi. Vas-y, même moi je me fais chier tout seul. C'est dur la 3D quand t'es plat en fait. Bon, allez, viens, Pugno, là. Voilà, ta tête. On va aller chercher les autres, mais du coup, faut que je trouve un moyen de les faire traverser. Attends, non, c'est lui. Putain, puis il y a un soleil là et tout. Je sais pas comment je pourrais l'avoir. Ça. Ah ouais, c'est peut-être ça qu'il faut faire tomber là. Ah mais attends, si j'utilise l'autre avec son vent là. Ah voilà. Eh vas-y. L'autre saute dans le vide là. Bon, moi je suis fatigué, hein. Je vous dis bonne nuit. Bonne nuit, Tarko. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Yes, aïe. Obtenu soleil. Mon toit revient. Non, plutôt j'ai encore sauté dans le vide de toute façon. Bim.
Hop là, ça dégage. Ah bah super. Hop là, ça dégage. J'ai bientôt monté le niveau là, c'est pas mal. Ouais, ça lui enlève deux, donc je sais ça. Voilà, ça dégage. 6 pay. Ok, le prochain, on gagne un niveau. Ok, on va chercher les autres tabagues là. Je sais pas, pas comment les faire travailler. Bon, on verra bien de toute façon. Je verrai bien. Ah, mais il est tombé l'autre! Vas-y. Ah, attends, ça ne veut pas utiliser ça? Ah, bah voilà. Ah, ouais, c'est la porte raccourcie. Ok, vas-y, appelle. Parce qu'il nous en manque un. Ah, mais. Oui, allez. Par là, la vieille. Allez, vas-y, Mariole. Il y avait un truc. I love you. Oh, petite canaille, vous cessez de taquiner la vieille dame que je suis. Et avec seulement 10 ans de moins, j'aurais pu te prendre au mot. Bah, moi aussi, quand j'étais jeune, j'étais belle à vous couper les pattes. Les mâles ne pouvaient que tomber sous mon charme. En parlant de ça, parmi ses prétendants, je me souviens de Punitor, mignon et. Oh, challenge. 2 heures plus tard. Et depuis que je suis devenue la matriarche, j'ai guidé la tribu Puni. Bah, tout ça pour dire que je ne dois pas lâcher prise, mon petit Mariole. J'adore la vibe. Sauvegarde. Oh shit. Ok, et après? Ou alors sinon je tombe. Est-ce que tu veux que je te dise? Parce que là, ça fait. Je sais pas combien de temps que tu galères. Non, t'inquiète. Avec comme dit, je vais y arriver. T'es sûr? Faut que je trouve, parce que si j'y arrive pas, c'est chiant. Bon, ces bulles servent à rien, ok. Oh, une éclair. Ah merde, j'ai jeté quelque chose. Bah. Sirop de miel, j'en ai trop. Utilisé. Ah bah j'en ai pas besoin. J'ai jeté. Poubelle. Non, en date. Ok. Bah là, c'est là où on était. Ok. Bah oui, je passe par le tuyau là. Ah non, là c'est là où on était, d'accord, ok. Ok, donc je redescends et je prends le tuyau de l'autre côté. Ils peuvent pas passer l'eau.
Ou alors s'il en faut 0. Ah bah s'il en faut 0, je vais les laisser là-bas là. Mais merde. C'est pas là que je voulais aller. Mais non, si je tombe. Attends, je sais pas. Je pense que j'ai trouvé. Attends, je vais essayer de faire ça. Si je tombe, ils me suivent, non? Pas du tout. Je descends le tuyau, puis c'est tout. Rien du tout. Et si j'utilise la meuf pour souffler? Ça va, fait quoi elle? Ah bah oui, ça marche dans les bulles. Ok, MDR. Ah mais il va où du coup? Casse les couilles, je vais reprendre ça. Oh merde, ils retombent tous. Ah mais attends. Eh merde, c'est moi qui tombe maintenant. Si je les fais tous tomber dans les bulles et que je mets le truc là-bas, ils vont revenir. Voilà, tomber là, on parle plus. Bah ça marche hein. Nickel! Fuck it! Putain! Bravo, t'as pas trouvé. T'as enfin résolu l'énigme après je sais pas combien de minutes. Mais c'est chaud leur truc là en même temps. Ok, venez. Bah non, c'est juste de la logique quoi. Qui sont attirés par les trucs, je savais pas que c'était carrément aimanté un pouni-bulle, je sais pas quoi. C'est la galère hein! Puis ils vont flipper dès qu'ils vont voir une araignée de merde. Bon, tu me diras, j'ai débarrassé le terrain. Let's go! Franchement, il fallait trouver. Hein. Faut un gros cerveau pour ce truc. Hein. C'était pas évident, évident. Bon, on va se battre. On va se batailler. Bah, un peu quand même. Bah, pour c'était dur pour moi, parce que je suis un peu teubé, moi. Tu le sais maintenant. C'est plus un secret. Hein. Ok, on va se battre. I, A, E, O, O, I, I. Ouais, on a débarrassé le camp de tous les pic-pics. Maintenant, il n'y a plus qu'à détruire leur forteresse. Oh, Jesus. Ils sont en mode rouge en plus. Bravo! C'est la clé, je suppose. Yay! C'est la clé de la prison, sont enfermés tous les autres. Importons-la et allons vite libérer le reste de la tribu. C'est quoi ça? Apprends la dame pour souffler. Souffle! Super. Souffle! Super.
Super. Bon, c'est probablement pas pour tout de suite alors. Tu sais comment on fait toi, Skull? Je veux bien que tu me spoiles au cas où. Bon bah c'est pas pour moi. Venez les petits poudis, ils sont trop mignons. On va libérer vos copains. Mais qu'est-ce qu'on va devenir, nous? Hé, hey, Punita, qu'est-ce que tu tiens si précieusement? Un champignon. Mais il est tout ratatiné. Oui, je l'avais mis de côté pour mon frère. Mais il s'est flétri. Grand frère, quand tu vas-tu revenir à notre secours? Ne t'inquiète pas, Pugno ne nous laissera pas tomber. T'inquiète, on arrive, les copines! T'es où déjà? Là, faut que je remonte, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Merde. Et la 3D, ça me fume. Ça me fait rire tout le monde qui est. Ah non, ma flemme. J'appellerai plus tard. Ouais, là maintenant. On va demander à la vieille de les ramener parce que la flemme. Fuck this shit, I'm out. Hein? Voilà, cri 2 minutes. Voilà, super. Allez. Ça veut dire qu'on va y avoir grave de pouni après. Ça va être trop marrant. Ça va être la guerre. C'est bon, on est là. Punita, j'ai apporté la clé, je vous sors de là. C'est moi qui ai la clé, calme-toi mon petit. Oh, je sais. Grand frère! Punita, tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Tu n'as pas eu peur? Oui, je vais bien. Ouf, tant mieux. Ah oui? Je pensais te l'offrir, mais... Grand frère, tu adores les champignons, n'est-ce pas? Mais il est un peu flétri. Grand frère, il n'était pas bon, n'est-ce pas? Pardon. Punita, tu ne savais pas, j'adore les champignons qui sont un peu ratatinés. C'était si bon que je suis resté sans voix. Grand frère. Punita. Arrête, devant tout le monde, c'est un peu gênant. What the fuck. Merci. Ils sont trop choupi. De rien. 90 punis, rejoignez le groupe, vous avez 100 punis. Référence au 101 dalmatien, je suppose. Oh mon dieu. Oh gros Jésus. C'est quoi là-bas déjà? Eh oui. C'est trop drôle. Ah non, c'est giga drôle. J'adore la vibe. You, des pounis. Ah, j'ai trop mignon. Vu que t'as galéré avec 10, oh, j'ai hâte de devoir galérer avec 100. Faire traverser. Ouais. Bonne chance. Ouais, j'en ai besoin. Si je tombe, il tombe. Hein. Dis-moi qui tombe si je tombe. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je vais les enculer. Ah, vous m'emmerdez. Il va vous essayer en plus.
Du bon boulot, les gars. Yeah. Jesus. Bon, vous bougez pas, je reviens. Putain, mais il y en a. C'est vrai qu'il y en a trop aussi là. En vrai, ça va. J'ai été rapide cette fois. Ah oui, j'enlève ce truc là. Ok, j'ai tous les pounis, Skull, t'as vu ça? Je suis désolé, t'as pas galéré comme ça pendant 10 minutes, je suis déçu. Mais je suis désolé. C'était vraiment comme ça dans la version GameCube, il y avait vraiment ça, un pouni, genre. Ouais. Même d'air. Le jeu devait être trop drôle à l'époque. Oh, j'espère qu'il n'y a pas les fucking araignées qui reviennent, ça va me faire chier. Ils vont tous tomber par terre là. Je suis sûr, à tous les coups, c'est moi qui tombe et lui il reste. Ah, la queue, tout le monde s'éclaire. Ah, la queue, et la pire. Ah, la queue. Ah, la culule. Vous êtes prêts? Bataille! Let's go, je vous laisse faire. Hein. Moi, je... Allez-y, combattez. Hop là. Combattez, je vous laisse. Attendez, pas trop sur moi quand même. Laissez-moi tranquille. Ouais. Hé! Eh mes pounis! La vie de ta mère! Bah oui, vous il faut aussi. Il faut qu'on y retourne avec un plan valable. C'est pas possible. Je suis pas d'accord. Il doit y avoir un truc. Frites avec eux, peut-être. Je vais essayer hein, ce que je voulais faire. Bataille! Mais pas du tout, ça marche pas. Mais... Oh non, petit pouni. Si on les rassemblait à un seul endroit, on pourrait peut-être y arriver. Mais comment on les rassemble? Attends, il y a un truc caché. Mais oui, je suis con. Ouais, souffler. Souffle. C'était ça qu'il fallait faire. Impeccable, on a débarrassé les lieux de tous les pic-pic. Il ne reste plus qu'à détruire leur forteresse. Je suis trop fort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, les énigmes, c'est pas du tout. Pas du tout une complication. J'y arrive trop bien. Et ça se voit. Non, c'est juste qu'il m'a donné la réponse, mais ouais. Sinon, je suis une vraie merde. Bah, sinon, tu gagneras quoi? Oh, The Retour. T'as dit quoi? J'avais dit sinon, tu gagneras encore plus. Oui, laisse tomber, j'espère encore pendant 10 minutes. Ah ouais, là, il a eu le temps de prendre un niveau là. Hein? Bam! Qu'est-ce que tu vas faire? Ah merde! Ah bah, je peux pas faire grand chose avec elle. On va. Allez, défense. Bim.
ça dégage. 4, vas-y, 4. Ma soeur, t'abuses. Ok, nul. Vous allez revenir avec moi au final. Je sais pas à quoi ça sert ce truc là. Attends, on va tirer sur les buissons. Parce que parfois ils se cachent des trucs. Des queutrues. Bim, bim, bim. Et bim. Putain, avec vos têtes là, je vois rien. Enter. Oh. Peut-être avoir mon. Oh, je les sens beaucoup là quand même. C'est pas grave, nous allons faire tremble de sol. Marteau séisme. Ah mais elle, elle sert à rien en fait. Donc bah défense ma belle. C'était pas du tout la défense, mais vas-y, pourquoi pas. Marteau c'est us. Allez, donne-moi les... Je veux mon niveau là. Je veux plus de fleurs, ça devient des cracks à chaque fois. Niveau place. Plus de flowers. Yay. Plein d'étoiles. Et là, on est paré là. Là, y'a rien qui va m'arrêter même. Allez, les pounis! Oh, il en faut 101. Bah, nickel, juste ce qu'il faut. Je suis vraiment une merde. En plus, j'ai bien vu que c'était faux. Hein, quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, y'a le big boss là. Crétin, mon piège a parfaitement fonctionné. Je l'ai fabriqué d'après ces machines que vous utilisez. Paf, je vous ai collé. Quelle banque de nouilles, je me marre, quel nul! Bien, maintenant que j'ai viré le gêneur, je vais pouvoir chercher la gemme en paix. T'es vraiment un tocard, toi. Mario, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Mais comment faire? Bon, déjà, je vais prendre ça. Et puis, bah, moi, je sors et vous démerdez. Bisous. Mario, il y a certainement une solution quelque part. Mario, nous comptons sur toi. Oui, allez, démerdez-vous. Ah, la foule de vos problèmes, là. Ah. Les motifs sur ces piliers, on les a déjà vus quelque part. I. Ah, oh, wow. Et le grand arbre a tremblé, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là. Et si, il va falloir faire les quatre coins de l'arbre, là, pour aller chercher ce foutu bordel, là. Ça va être chiant à mourir. Bon, tant pis que ça. Ah mais si, c'est de l'autre côté, je crois. Je suis pas sûr. Bon, on va y voir. On va se regarder au pied des yeux. Merde. Youhou. Ding dong, ding dong, ding dong, ding. Let's go. Ah, sur le déco, je crois. Ouais, c'est là. C'est bon, bien sûr. On les avait détruits et puis ils avaient caché les bails et tout. Bref. Ah, là, c'est Al. Ok, bah, du coup, je fais quoi, moi? Vas-y, j'ai pas retenu les motifs, je vais mourir. Demi-tour. Tu te souviens des motifs ou pas? C'était soleil, lune, pouni et étoile de souvenir. C'était un big boss. Étoile. Non, ça c'est un soleil ça, je suis vraiment une merde. Étoile, pouni, soleil et lune. Non, non. Soleil, lune, pouni et étoile. Soleil, lune, fini, et merde. Asila.
Winnie, étoile. Merci, t'es trop fort. Piu. Piu. Hé hé. Hé hé. Oh, oh non. C'est un méchant encore. Ah non. Oh, c'est quoi ? Super bot ! Alors, qu'est-ce qu'elle fout là, elle ? Bonjour, c'est moi, Toadette. Voici les super bots. Grâce à elles, tu pourras utiliser une nouvelle technique de saut. Entraîne-nous un peu. Tu peux faire le saut toupie en appuyant sur A une fois en l'air. Les techniques consistent à appuyer sur A immédiatement après avoir sauté. Ouais, c'est le truc de Yoshi, quoi. Parfait, c'était très bien. Est-ce que tu es à l'aise avec les commandes en temps ? Oui, oui, oui. Très bien, avec ça, tu maîtrises le saut toupie. Ah oui, c'est... très bien, tu peux aussi utiliser pendant les combats. La puissance d'attaque de tes sauts ont été aussi que dans tes pensées. Alors, ok, super, allez, vas-y, casse-toi. Pion, 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 pion. Allez, bisous. C'est sympa, on a bien rigolé 2 minutes. Et maintenant, topé. Oh non, me dis pas que... Puis moi, tous les coups, je vais tomber. Voilà, allez, bisous. Mais, ma soeur, bon mais... boulot, ah, les ouais, gars. Faudrait... Yeah, yeah. Super. Mais je vois pas aussi, c'est tout plat, là. C'est pas drôle, en fait. Allez, let's go. Mais bravo, les gars. Ouais. Justement. Du bon boulot, les gars. Yeah. Putain, je m'y attendais pas du tout. C'est une singerie. Mais j'ai sauté. J'ai sauté, wesh. Ok. Oh, Jesus. Oh. J'ai réussi. C'est un grand pas pour l'avenir. Yo, j'ai réussi à installer Nexus, par contre, je l'allume, y'a rien dedans. Je m'en occupe après, Mimi, après le stream, si tu veux. Ok, Tortue Ninja. Bim. Attrapons ce badge. Hop là, merci bien. Hop là. Par contre, faut que je regarde mon enregistrement, parce que ça va faire des gigas, là. Ok, 1h52, c'est bon, je regarde ma mémoire. Pas que ça me fausse le... Ok, c'est bon, je suis large. Continuons. Du coup, Mimi, je t'appelle après mon stream, si tu veux. Et je te ferai en sorte de mettre les trucs dans la librairie. De Nexus. Ok, donc là... C'était quoi qu'il fallait faire déjà ? Ah ouais. Libérer les tocards là-bas. Alors attends. Trop mignonne, elle a sauté. Oh. Mais ouais, c'est mini tocard. Attends, je le reçois. Oh, mais attends. Bon, ok, je sais pas comment je l'aurais. Hein. Attends, si je chauffe avec l'autre folle. Aucun sens. Juste en le faisant, j'ai compris que c'était ridicule. Mais enfin, bref, c'est pas grave. Rien. C'est Yoshi fait ça. Rien. Ah, on va taper là. Bam. Oh shit. Oh bah. Nickel. Nickel. Tous en boîte. Oh les méchants. Les méchants. Bam. Bam. Allez, ça dégage. Oh, oh, waouh, mon saut, il est bleu carrément. J'adore. Mais saut rebond quand même. Non. Non, je sais pas. Oh, putain. Qu'est-ce qui est bien.
Vas-y, un sonore bassé. Ah ouais, mais je fais plus mal, c'est vrai. Du coup, j'aurais pu faire un saut. Ouais. Ah ouais, je suis bête. Ah, le bâtard. Oh bah ça va, il fait jusque grossir. Même pas mal, en fait. Ah ouais, avec son... Avec son triangle des Bermudes, là. Voilà, meurt de toute façon, ça change rien. Ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas taper là. Ouais, mais ça change rien, il va le récupérer après. Chiant. Putain, il a récupéré son Illuminati, là. Chiant. Donc, toi, tu vas taper. Et moi, je vais le finir. Merde. Oui. Oh, attends. Oh, je l'ai eu, bingo. GG. Vous avez récupéré tout, vous avez tout votre énergie. Ok, nickel. Die. SP obtenu, 8. C'est le début de la richesse. Et donne-moi les pièces par contre, je suis pas un chien moi. Enter. Même pas peur. Tiens, dans ta tête là. En fait, j'aurais dû leur sauter dessus, celle-là. Oh bah oui, bah déjà, avec l'ambiance que je mets dans mes sauts. Non mais, bon, déjà. Multi-rebond. Non, super rebond. Allez. Oh non, c'est multi-rebond. Parce que ça va être chiant, il y aura deux Illuminati, là. Bah du coup on va échanger hein. Regardez cette position, on a Belle, toi tu vas taper, et moi je vais l'enchaîner. Mais il y a deux Illuminati! Vas-y, la pute du jeu. Ah, puis je visais le mauvais. Ah, bah. Là, j'ai tout gagné, là. Super. Et eux aussi sont dans l'abus, en fait. Là-bas. Bam, même pas mal, y'a quoi même. Ok, bon alors là, faut bien viser. T'as vu comment je lui fais? Et bam! Bam! Ça dégage! C'était un niveau de skill, on n'a jamais vu. Et t'as vu, j'ai pas galéré, hein? Et... Des pieds! Trop bien! Attends, je fais juste un truc vite fait. Attends,
Hop. Je réponds à mon beau gosse là. Et je suis à vous. J'aime pas du tout ce... J'aime pas ma photo. Faut que je la refasse en mieux. Ça va pas là. Attends. Je vais mettre ça. Non, ça. Ah, c'est pas beau, mais j'aime pas. Attends. Là, c'est bon. Ah merde, j'ai bougé. C'est bon, nickel. Hop. Niqué. Ok, je suis là. Ah, j'ai pas été là, moi. Attends, je comprends rien. Je comprends plus. Wesh. Ah, wesh. Attends, mais... Ah oui, si, c'est bon, je me rappelle ce qui se passait. Je suis descendu du tuyau et tout et tout. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Mais il y a trop d'endroits où aller, je suis perdu! Skull, c'est quoi ça? Ok, là, il faut les 101 pounis. Je vais les appeler les dalmatiens maintenant, je vais plus les appeler les pounis. Les dalmatiens. Il y en a marre. Pounis, c'est chiant. Dalmatien, c'est mieux. Donc là, je suis sûr qu'il me faut les dalmatiens. Là, c'est obligé, de toute façon. Donc là, je suis le seul. Ici, que je dois aller. Bam. Oh. Ma soeur, si tu me dis qu'il faut... Attends. Il faut. Est-ce que si je jette... Tortue Ninja là-bas, là... Non, ça marche pas. Attends, attends, je sais. Voilà. T'as vraiment aucun respect. En plus, il tombe dans l'eau, Stokar. Hein? Ah, mais oui, il faut que j'attende que ça remonte aussi. Je suis un peu con aussi dans le topic. Voilà. T'as vu mon gros cerveau ou pas? Et. Ah, il se passe quoi là? Oula. Ah, les nénuphars. Et du coup, ça va être bloqué un truc ou pas là? Ah, un petit coffre. Pour le plaisir des yeux. Non, je voulais pas faire un Yoshi. Oh, petit minute tempérament à la table de la puissance d'un ennemi. Waouh, super. Ok, donc c'est par là que j'ai. Donc, et la tête la première. La petite étoile, le petit soleil. Toi, bouge en fait, je t'aime pas, je veux Maeva moi. Voilà, merci. Ok, là-bas il y avait quoi déjà, je me rappelle plus. Ah bah oui, mais du coup ça y est là. On peut passer par là. Fuck it. Et je vais tuer qui est là-bas. Nickel. Okay.
Il y a forcément des monstres aussi, ou des trucs. Non, même pas de monstres quoi, choqué. Tu les as tués en même temps. Ah, est-ce qu'on est déjà passé par là? Il y a littéralement 5 minutes, oui. Oui. Oh shit! Faut pas. Oh! Ah ouais, j'ai fait demi-tour! Oh, bah, pour récupérer les autres, oui. Là, je peux récupérer les autres, là, tu penses? Où est-ce que tu. Où est-ce que tu vas? Je sais pas! Donc là, je fais demi-tour. Donc en gros, faut que j'aille chercher les Dalmatiens, c'est ça? Bah oui, je suis prêt. Oui. J'ai vu le truc. Oui, mais comment tu veux que j'aille chercher les Dalmatiens, là? Y'a un truc, là? Ah oui! De souvenir, oui. J'ai pas fait exprès, mais ça a marché. Vas-y, mon patou suivi, c'est con. Ah, vas-y, franchement, vous êtes vraiment teubé comme Dalmatien. Hein. Franchement, vous êtes fatigué. Hein. Mais souffle-le, toi aussi! Hein? Souffle-le dessus! Allez, sorte. Vous venez. Faut que je fasse quoi? Souffle leur dessus. Ah oui, c'est vrai, on peut faire ça. Mais là, je pense que. Tu fais fou. Là, c'est bon, ils vont me suivre. Là, là regarde, ils vont me suivre. Je vais leur souffler dessus, c'est mieux. J'en veux plus. Même pas un bâtard qui m'a suivi, quoi. Choqué du comportement de ces dames. Du bon boulot, les gars. Vas-y, là. Yeah! Yeah! Mais regarde aussi, ils vont pas dans le trou. Tu veux que je fasse comment, moi, de base? Mets la punibule sur le... Hein? Mets la punibule sur le pédestal. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ah ouais, c'est vrai, ça. On peut faire ça. Tu veux pas me dire ça avant? Je l'avais dit. Je l'avais dit, mais tu... Je sais, j'ai pas voulu t'écouter. Ouais, mais je sais, Askel, tu peux m'engueuler, je t'autorise à une insulte. Une seule. To be. Best insulte ever, et j'adore. To be. Oh là là. Eh mais du coup, attends. Là, si je tombe là, il se passe quoi déjà? Ne dis rien. Je vais mettre le truc et je vais souffler. Y'a pas de problème. Je me tais. Punibule. Allez, on insère le bordel. Et je fais quoi pour ceux qui sont derrière le buisson et qui veulent rien entendre là? Et vas-y, ma soeur, au bout d'un moment, moi je veux bien tout ça. Mais là, faut pas me prendre pour un débile, d'accord? Plus là! Voilà, ça c'est ce que je veux. Vous me suivez là par contre, la boomer, si vous me suivez pas, je vais péter un plomb. Voilà, c'est bon. Pour toi, ma belle. T'es gigantesque là. Tu caches mon image. Bah, en même temps, vu que j'ai détruit tout le monde, en vrai, j'ai pas d'inquiétude à me faire avec les Dalmatiens. J'ai préparé le terrain. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ah ouais, j'ai préparé le terrain comme jamais, genre, en plus. J'ai failli tomber. C'est là que je vais aller, je crois. Oui, c'est moi qui ai fait sur c'est cool. Regardez les Dalmatiens, ça c'est pour vous. La vie de ma mère, j'ai pas récupéré le truc. J'ai pas récupéré. Non. Non. Bon bah... Non. Pas choix. Non, ils vont venir, c'est pas grave. Mais... On va faire le tour comme ça. On va faire des ronds. S'il vous plaît. Oh.
trop content, j'étais en mode ouais, j'ai préparé le terrain. C'était beau. Du bon boulot. T'aurais pu me dire que je l'avais oublié aussi là. Oh là là. Je te taquine hein, ce que là, t'inquiète, hein, c'est moi qui ai teubé. Hein. Putain, en plus, il est loin le truc. Ah, j'ai envie de die. Restez là, s'il vous plaît. Arrêtez de me suivre là. C'est bon, je veux plus de vous. Putain, ils me suivent partout, ces chiens. Sam, du coup, je tape Maeva. Parce que je le sais. Arrête de la taper, t'as rien fait. Je l'ai mis où? Je sais même plus où je l'ai mis. Ah oh. Oh. Moi ça me va hein. Ah putain, je l'ai laissé là. Putain. Oh putain. Bon après c'est pas comme si tu l'avais laissé tout au début. Oui mais bon quand même. Ça fait chier en fait dans les tours. Mais par contre j'ai récupéré un fragment d'étoile donc en vrai c'est worth de ouf. Mais cette musique a commencé à me fatiguer en fait là, ça y est, je suis saoulé. C'est trop là. Allez là. Rentre dans le tuyau Mario. Vas-y, arrête de tomber tout le temps. Y'a rien qui va là. Ok, là c'est bon. Là. La deuxième prise. Deuxième prise. Ah nickel, qu'est-ce que ça va faire, j'ai peur. Ah mais quoi, quoi? Oh, oh, c'est un ascenseur carrément le bordel. Oh, c'est joli. Waouh, alors c'est comme ça qu'on arrive dans cette pièce? Eh oui, est-ce que j'ai tout à fond? Non. Ah, il faut que je récupère les trucs, sinon il va être bloqué, c'est tout cas. Hop là. J'ai maltraité trop en vrai ces petits dalmatiens. Crois-tu? En vrai, avoue, t'aimes bien. Bam! Allez, let's go. Allons voir ce qui se passe. Oh. Il trouve pas. J'ai cherché partout, il ne reste que cet endroit. Quelqu'un arrive. Comme il marche. Blam 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 blam. Genre il a disparu. Vas-y, c'est bon, j'arrête là. Ouais, oui, une pièce, ça me rembourse les 8 que j'ai dépensé. Super. Bon, y'a rien de Kesha en fait ici. Hein. Oh, il va nous voler la gemme étoile, ça me fout le seum. J'aurais plus envie de jouer au jeu après. Oh, attends, je l'ai pas oublié, j'espère. Non, c'est bon. Vous avez inséré la punibule. Nickel! Waouh! Elle est verte, elle est green! Il va courir après. Mario, on l'a enfin trouvé, la gemme étoile! Je vais. Ah, ce type! Quand je pense que je l'ai cherché comme un fou et elle me tombe dans les mains. Y'a pas photo, je suis le plus vénère des méga Cruxis. Sortir de mon petit piège pour perdre la gemme étoile? Si c'est pas malheureux d'être aussi malchanceux, hein, Mario? Tiens, tu as l'air tellement pitoyable que je vais te faire un cadeau super! Et tu sais ce que c'est? Oh oh. Ce truc-là, c'est la télécommande d'une bombe à retardement. Une petite pression sur le bouton et boum! Un tas de copeaux sur le grand arbre. La bombe explose et pouf, tout le monde est en retard. Tout le monde est en retard. J'aurais le cœur léger de vous avoir réduit en compost. Quant à moi, j'en ai ras le bol d'être ici, je me fais la malle. Ah, le petit bâtard.
C'est terrible, Mario, il faut sortir d'ici au plus vite. Ah merde, j'ai oublié les autres. T'as pas dit. Mais pouvez pas être toi comme tout le monde et suivre là. Putain. Eh mais arrête de sauter au-dessus du tuyau. Je me fête. Oh wesh, on se fait agresser, on a rien demandé à personne. Allez, ça on n'en parle plus. Voilà, t'as bien maintenant. Oh, 3 étoiles. C'est pas parce que t'es gros maintenant que ça va m'aider. Hein. Enfin, que ça va t'aider, toi. Alors, quand même. Voilà, allez, dégage. Waouh, 6 PV. Tu vois, vraiment, c'est le moment de, là, d'être, de se réjouir. T'imagines, je gagne un niveau et ça continue le temps que je choisis. Allez, ouvre. La puerta. Oh putain, faut que je remonte. La musique, elle me fume de rire. La musique est drôle. Oh. Et là je laisse les 101 dalmatiens ici là. Puis moi je me barre. Oh non, me dis pas qu'il faut recommencer ça encore. Oh putain. Vous l'avez déjà. Allez, je me souffle. Là je crois que tu peux les laisser là. Je peux les laisser là. Mais oh mon dieu, t'es sûr que je peux les laisser là? Ah mais oui, je suis con, j'ai qu'à appeler la vieille en mode... Mais oui, t'as grave raison. Bah ils sont là. Ah mais est-ce qu'ils m'ont suivi en bas? Ok, bon bah c'est pas grave, j'en ai 62, on s'en bat les couilles. Ah mais non, la porte est juste là. Putain. Non, on va reprendre la porte. Du bon boulot les gars. Yeah, yeah. Oh putain. Et ils sont là, là, ils attendent. Ah, oh, la vieille, elle est plus là. Et tu es qui, toi, déjà? Quoi, bouge de là, espèce de vieille gâteuse. Malpolée. M'appelle vieille gâteuse, en voilà des seules manières. Si tu crois que là, je m'ai rendu complètement gaga, tu te trompes lourdement. Je vais te chauffer les oreilles. Mais c'est quoi, cette vieille? Je n'oublierai jamais, quand j'étais encore jeune et au Pouni Pouni Ravageur. Ouch! Ah là là, je me suis laissé emporter par mes souvenirs, mon lambago me reprend. Quel pot de colle, pour qui tu me prends? Je vais te botter les fesses. Et toi, ne bouge plus! Tu ne t'enfuiras pas comme ça. Allez, donne-nous la gemme étoile en douceur. Après, tu pourras repartir en vitesse d'où tu viens. On va d'abord arrêter les comptes à rebours. Oh le bâtard! Quel enquiquineur, au grand mot, le grand remède. Oh le bâtard. Ah non, ça va, il nous combat. Et voilà le crux se bat, contempler le pouvoir de notre science. Ah, je pensais que c'était un vaisseau, moi. Je pensais qu'il allait partir. On va te botter le fiac, t'es pas prêt, toi. Alors vous tremblez? Mon Cruxobok vous laisse baba, hein. Mais ce n'est pas fini. En cadeau bonus, je vais faire une démonstration. Effectivement, il a l'air balèze. Mais bon, au niveau du look, c'est plutôt nul. C'est vraiment Maeva portrait caché. Hein. Bah, on va pas relâcher notre attention pour autant. Vous ne pouvez pas fuir ce combat. Ok. Je te sers, c'est bon. Ok. Ah non, indique déjà, on va l'ajouter au carnet.
le ptacle à la fin. Le bâtard. Mais c'est pas des manières, ça? Ah super, ok. Ça va être chiant à parer, ça. Toi, déjà, tu te cales. J'ai failli pas lâcher, hein. Hé, les pounis! Mais c'est quoi ces manières? Choqué. Ouais, mais c'est vrai qu'elle fait zéro dégâts, elle. Faut que je change de partenaire. Vu comme c'est parti là, elle va dead toute seule. Vas-y, vous là. Oh merde. En fait, je ferais plus de dégâts en faisant juste deux sauts. Oh non, même pas. Ah oui, c'est vrai qu'elle fait pas de dégâts. Oh là là, j'ai dit ça. J'ai pas dit mon dernier mot, j'ai une autre attaque fulgurante en réserve. Contempler et souffrir. Mais vous là, c'est pas peu. Il y a un pouni qui reste. Donc elle a dit il faut éliminer ses bras. On va faire super robot. Ah non, c'était l'autre. Chaque fois je me trompe. Bah, il a plus de bras déjà, c'est pas mal. C'est bon, tu m'as chauffé là. Là, tu m'as chauffé. Là, ça y est, là. Là, c'est trop. Concentré de ouf là. Oh fuck it! Il m'en restait juste un! Aïe, coup dur. Il a perdu que 5, super. Ça valait le coup de claquer 2 trucs pour ça là. Tu prends ça toi déjà. Oh, il récupère ses dents. Super. Bah ouais, bah du coup, bah super. Ah bah attends, j'ai des objets aussi. Oh, c'est quoi ce truc mystère? Ah, c'est sur nous, ok. Allez, dans ta queue. Toi, tu vas faire un charme. Ok, il donne quand même des étoiles. Je me suis dit, ah merde, oui, c'est vrai que c'est que des méchants. J'ai compris que c'est au bout du quatrième qu'il faut se protéger. Nye. Pas bon, faut que je me reprenne. Reprends-toi, ouais. Ton bras. J'ai oublié de me protéger. Ouais, j'ai plus grand-chose, du coup, avant que j'attaque. Oh, mais j'ai qu'une... Ah mais attends, celle-là, ça y est, là j'ai une étoile.
Ah bah non, bah je l'ai, d'accord, je l'ai. On va se régène. Façon Stars. Putain, j'ai failli prendre le champi. Non, je veux le fleur. Okay. Hey, j'ai bien fait là. Charmant, charmant. On a peut-être dû attaquer les bras. Oh Jesus! Oh la vache! Ah oui, il fait mal le petit bâtard. Oh yes, aïe! Pile ce qu'on avait besoin. Oh, et puis elle sert à rien. Charme. Pas grave, ça me ferait rien. Ouais, mais je sais pas quel moment aussi là. Moi juste à sauter deux fois sur lui hein du coup. Pour le faire on va faire super rebond. Allez plus que mort. Peu plus. Ah ouais. Bruh. Ah c'est lui qui a dit peu plus. Non t'as pas dit bruh avant. Yeah. Et voilà. Attends donne-nous la gemme là. Ah, comment il a voltigé. Ça se peut pas, le grand crucinis, il l'apprend. On se souviendrait, le grand crucifix. Cher rhinocéros, attendez-nous. J'ai rappelé. On l'appelle rhinocéros. Toka, ça pète la gueule en plus. Allez, va là-bas, je t'amène. On a réussi, Mario. Avec ça, le grand arbre va de nouveau connaître la paix. Conformément à la légende, la gemme étoile est tienne. Allez, tu peux la prendre. Oui. Vous avez trouvé une gemme étoile. L'énergie étoile de Mario monte à 3. Maintenant, Mario peut se servir de stop chrono. Yes, I, terminé. Mario et ses amis ont chassé Rhinocéros et trouvé la seconde gemme étoile. Avec les méga crucifistes, en fuite, le grand arbre devrait retrouver la paix. Les chants joyeux de la tribu Pouni, de la tribu dalmatien, résonnent dans les bois insolites. Mais les crucifistes n'en restent sûrement pas là. Quel sera leur prochain plan pour entraver la quête de Mariole? Oh, on reprend Princess Beach, trop bien. Moi j'adore. J'adore. Je valide. Hein. T'as dit Beach? Ouais. Moi, je vais tourner dans ce jeu. Okay. Quoi, vous avez perdu le contrat avec Rhinocéros dans les bois insolites? Oui, mais nous menons l'enquête, quelqu'un sera bientôt au rapport. Pardon, grand crucifiste. Qu'est-ce que c'est? Je viens au rapport. Il semblerait que Mario ait déroblé les gemmes étoiles des bois insolites. Quoi? Mais Rhinocéros et l'obscur trio? Malheureusement, il semblerait que Mario les ait tous écartés. Je vois, ce Mario se serait joué d'eux. Où en est-on à propos de la localisation des autres gemmes étoiles? Rien de nouveau. Nous poursuivons nos recherches. Mario a celle du château des Carborock et des bois insolites, mais on a celle de Port la Racaille. Il reste donc 4 gemmes étoiles. Poursuivez les recherches, ne laissons pas Mario nous prendre de vitesse. À vos ordres. C'est bien lui qui détient la carte, aucun doute. Allez, et surveillez-moi ce Mario de près. À vos ordres. Ce Mario. Princess Peach, Mario, as-tu reçu mon mail? L'as-tu lu? Ah, et vous au château, est-ce que vous allez bien? Pourrons-nous à nouveau danser ensemble au bal? Que vais-je devenir? T'inquiète, Princess Peach, on va prendre une douche.
Skull qui m'a pris ça, alors du coup maintenant, ça y est. J'imagine que j'ai le droit. Ah, t'en profites, hein. Hein? T'en profites. Ah bah, hey. Espèce de voyeur, va. Ah! Trop chaud, c'est ça? C'est bien agréable. Eh bien, elle est tellement propre que j'y vois mon reflet. Bah, c'est un miroir, en fait. Ah, je peux pas sauter avec elle. Ça ne s'ouvre pas. Ah, là, ça s'ouvre. Tiens, tech à nouveau. Pendant que Mario se casse le cul, elle se tape un robot. Bah super. Est-ce que est-ce qu'elle se tape vraiment en fait? Je sais pas, un sou, non. Mais elle est toute mignonne, on lui pardonne. Bonjour Princesse Peach, merci d'être venue. Est-ce que le mail que j'ai envoyé à Mario est bien arrivé? Oui, on m'a confirmé que Mario avait bien reçu ton mail. Ah bon? Tant mieux. Qu'attends-tu de moi? Que je te parle encore de l'état amoureux? Tout à l'heure, tu as dit que tu aimerais danser au bal. Tu m'écoutais? Excuse-moi, en plus j'ai pris une douche et tout. Ah, voyeur! C'est lui le voyeur, Skull! Excuse-moi, j'ai reçu l'ordre de m'occuper de toi. Mais je t'ai entendu parler de danser ensemble au bal et ces mots m'obsèdent. Pourquoi ces mots-là? Je l'ignore, il faut que je comprenne. Il faut que tu comprennes. Mais il n'y a pas d'explication à ça. Tu es amoureux, donc tu as retenu danser ensemble, aucun doute. Mais tu es un ordinateur. Princesse Peach, danse avec moi. Eh mais, ça suffit. Enfin, me demander de danser avec toi, tu ne manques pas de culot. Et de toute façon, comment pourrais-je danser avec toi? Comme ça, par exemple. Mais c'est moi, c'est toi qui as fabriqué ça. Je vois. C'est un peu bizarre de danser avec soi-même. Oh putain! C'est quoi ce jeu? Appuyez sur les boutons indiqués à l'écran lorsque leur jauge est remplie. Je suis que d'excellent depuis tout à l'heure. Je me suis trompé une fois, je crois. J'ai d'être ça. Merci, Gégé. Princesse, tu m'as fait très plaisir. J'ai dit plaisir? C'est donc ça ce que tu appelles le plaisir? Tech? Je vais tenir ma promesse. Utilise mon émetteur. Saisis ton message et l'adresse du destinataire sur le clavier devant moi. C'est fait. Tu veux bien l'envoyer? Message envoyé. Je vais te demander de retourner dans ta chambre à présent. Je vais tout de suite analyser les données de tout à l'heure. Celles qui m'ont fait parler de plaisir. Tu es vraiment un drôle d'ordinateur. Mais non, je suis juste l'ordinateur le plus parfait au monde. Bonne nuit, Princesse Peach. Ah, Bowser, il m'avait manqué lui aussi. Ça va être trop drôle en fin de chapitre, je vais faire ça. Oh, il est vénère le petit là. Ça doit être par là. Oui, oui, Sir Bowser. Nos informations indiquent que la princesse devait se rendre dans ce village, oui. Parfait, pas de temps à perdre. Sir Bowser, ce que vous êtes viril. Je fonce. Wesh, what the fuck? Mais non! Incroyable! J'adore la vibe! Ouais. Oh le bâtard! Ah merde! Bah du coup, je peux pas avoir la viande là.
incroyable, c'est trop drôle. Des barres. Mais c'est trop des barres. Par contre, j'ai pas envie de rester comme ça pendant... Voilà, là ça me fait plaisir. Là. Toi, taille. Ah, baltringue. Ça sort du tuyau. Ta grand-mère la chambre. Ah, je peux être encore plus gros, genre. ONG, j'adore la vie. Toi, déjà, on commence par ça. Oh, bah, j'ai carrément l'étoile. Ah, ouais, d'accord. Ah, vous fuyez là maintenant. J'ai carrément défoncé le bordel. D'ailleurs, j'adore. J'adore. Soyez les bienvenus à... Ah ! Tout le monde aux abris ! J'en ai rien à faire de mauviette de ton genre. Bon, où elle est la princesse Peach ? Sir Bowser, là-bas. C'est un tableau, ma soeur. Ouais, Princesse Peach. Je vous cherchais partout, le majestueux Bowser est arrivé jusqu'à vous. Allez, quoi, vous pouvez dire un mot au moins, on va au château de Bowser. Elle est tellement heureuse qu'elle en est couette. Ah, les jeunes filles sont si émotives. Ouais, ouais, faut dire qu'elle est raffinée, hein. Bah, faut pas vous en faire. Tiens, j'arrive pas à parler. Faut pas vous en faire d'être ému comme ça, Princesse Peach. Mon trésor, mon poster, grandeur nature de Princesse Peach, non. Voilà. Skin. Poster. C'est pas possible. J'aurais pas l'air vraiment stupide là maintenant. Le pauvre. J'ai trop de peine pour lui. Ah, il y a les Dalmatiens. Merci pour tout, Mario. Nous allons pouvoir vivre en paix désormais. Tu pars déjà? Tu vas nous manquer, petit. Reviens. Reviens écouter mon discours de remerciement quand tu veux. Nous aussi, nous serons heureux de vous revoir. Nous ferons notre mieux pour que cette situation ne se reproduise pas. Alors toi aussi, Mario, fais de ton mieux pour trouver toutes les gemmes étoiles. Merci, on reviendra, c'est sûr. Allez, à plus. À plus, Mario. Nous ne baissons pas les antennes. Mario, toi non plus. Ne te laisse pas aller. Bon, on se rend au village La Racaille, et puis on s'arrête là. Ah, quoi encore? Mario, tu n'as pas reçu un mail? Sacré vibro. Cher Mario, tu dois te faire du souci à mon sujet, n'est-ce pas? Mais je vais très bien, je m'inquiète plutôt pour toi. Les gens qui m'ont enlevé cherchent frénétiquement les gemmes étoiles. Je vais essayer de savoir ce qu'ils complotent, je te tiendrai informé. Ces derniers temps, je rêve souvent de ces jours passés ensemble au château. J'attends le jour où nous pourrons y retourner, Peach. La princesse Peach a l'air de bien aller, contente pour toi, Mario. Yeah, on va pouvoir rentrer à la maison. Bisous.
Let's go. Il faut tous retaper le chemin et tout là. Ah non, non. C'était une sacrée aventure, moi je dis. Hein. On va se regarder à Port-la-Racaille et puis. Puis on va mettre. La gemme étoilée. Ah, sauvegarde là. Et voilà, c'est une fin de tournage. On va s'arrêter là. C'était fort sympathique ce petit chapitre avec les petits dalmatiens. Et puis, on se retrouve demain. Demain est lundi, ouais. Donc demain pour la suite des aventures avec Mario et Maeva et Camilla et Tortue Ninja. Voilà. Ou Franklin. Je sais pas. Trouver des surnoms de tortue. Et puis on se retrouve demain. Merci beaucoup Skull de m'avoir accompagné dans cette aventure. J'espère que j'étais entertainment, que je t'ai bien fait. Tu m'as beaucoup entertainment, ouais. Super. Et bah écoute, si t'es chaud, demain c'est la même pour troisième monde. Et puis voilà. Bisous les copains. Du bon boulot les gars. Yeah.